something just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark. Won't say much and that says a lot. Bonjour tout le monde, c'est Nab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce sixième épisode de notre Let's Play sur Marvel Spider-Man. Dans le dernier épisode, on avait parlé avec MJ et on avait eu une petite cinématique et on avait fini avec Fisk et ses... contreface avec ses vents, avec ses objets japonais. Et là, nous allons aller voir, péter la gueule à Shocker. Et j'ai le nez bouché. Du coup, je risque probablement de me moucher pendant la vidéo. Et on est parti. En tout cas, j'ai vu, du coup, je tourne cette vidéo après le 13e épisode. Du coup, on y va, on va aller. À la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ses types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coups. Voilà. Je risque de me moucher durant les épisodes. Salut Herman. Sérieusement? Ah ça va, j'ai pas le droit de me... J'ai déjà entendu ça quelque part. Je peux pas te faire de mal. Je ferai une perte de temps. Wow, c'est gentil de ta part. On fait une petite la course poursuite là. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage. Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu l'as... Voilà. Parlons un peu. Touchdown. Pigé. Hop là, il se rebarre. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Hop, mon porte-tenue est disponible. Ah, du coup, là, c'est une course-poursuite, là. Allez, on bouge! What? Ce que j'ai pris, mon gars. Il est en train de filer. Un chèque de Shocker s'est enfui. Là, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour moi, je pense, en vrai. Et du coup, ouais, je tourne cet épisode un peu tard. Et en plus, il y a une putain de tempête avec moi. Ouais. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois... Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est?
ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Ah, c'est compliqué, hein. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais c'est quoi ça, putain de ring? Ah putain, c'est compliqué. Compliqué. J'ai pas mangé ce matin. J'ai pas mangé ce soir. Franchement, Herman. Fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel! Il faut vraiment être désespéré! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix! Tu dois travailler avec quelqu'un! Mais putain! Ou pour quelqu'un! Ah putain. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel! Il faut vraiment être désespéré! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix! Tu dois travailler avec quelqu'un! Ou pour quelqu'un! Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois! J'en ai assez dit. Mais où, putain de ta mère. T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Bah voilà, c'était pas si compliqué que ça. Putain. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Combat de choc terminé. Bah voilà. Oh, oh, nouvelle mission annexe débloquée. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque.
Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Ok. Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Ouh, cinématique. Du coup, on a attrapé Shocker, on l'a remis en tôle, et maintenant, on doit parler avec Martin Lee. Welcome to Fist. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Du coup, on va aller voir Martin Lee, du coup, qui est à son bureau. Bah, du coup, ouais, c'est vraiment un ancien gymnase. Du coup, son bureau, il est où? Ok, il parle. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi? Vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Bon. Nous avons fini avec... du coup, nous avons fini avec ça. Ok. Hey. Bon. Le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. On peut enfin courir. Du coup, on est allé voir Martin Lee et du coup, il nous a dit que... pardon, j'ai mon chat. Non, Minette. Oh putain, tu me suis... attends, est-ce que je peux... non, je peux pas jeter les souris. Oh non, mais Minette, tu peux te décaler, s'il te plaît. Voilà. On va pas se mettre sur mes genoux, hein. Elle me cache la vue. Allez, mets-toi en... oh. Tu m'énerves, putain! Pardonnez-moi, excusez-moi pour ces insultes. Mais... même ça, parce qu'en fait, elle veut pas se mettre au même endroit que les deux. Bon. Le masque terminé. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. On va aller explorer la ville et faire les et découvrir les tours de capacité. Oh, on a une nouvelle mission annexe. On va faire la mission annexe, bien évidemment.
Ce qu'on va faire, c'est que dans Spacey, où c'est un... C'est quoi? Voilà, c'est ça. Et on va aller voir... on va changer la tenue pour voir ce qu'on a. Je suis passé. Faudrait que j'ai deux jetons de recherche. Un jeton de monument. Oh, ça, je vais pouvoir faire. Elle est pas ouf en vrai. Je suis là. Voilà. Mode de tenue 1. Voilà. En vrai, je pense en vrai, il va mieux. Moi, je pense que c'est ça. Bon, ouais, c'est pas grave. Tenue. Non, Minette. Attends, j'ai le chat, il est compliqué. Il est chiant, le chat. Hein. Tu me pètes les couilles, hein, tu le sais, ça. On va utiliser ça en vrai. Yep. Hop. La méthode scientifique, trophée bronze obtenu. Attaque en cours. Rendez-vous à touchdown. Oula, parfait. Tenue ici et... C'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau. Sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, tante May. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Hop, voilà. Ici, hop, on va récupérer un nouveau sac. 207, enlèvement. Allô? Peter? C'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Bon, on y va. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, oh, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Voilà, bon, on doit aller au labo. M'en fiche, je veux aller faire ma mission. J'y suis pas très loin en plus. Là, je suis à. Ouais, 700 mètres. J'ai eu un commentaire d'un chouette abonné qui m'a dit entraîne-toi à faire en off pour faire etc. Enfin, pour m'entraîner à prendre les trucs, etc. Hop. Mais en vrai, en attendant, on est à côté d'une tour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire celle-là et on va aller commencer la suite de la mission. Ah. Greenwich, couverture complète. On a fini la zone de Greenwich. Oh putain, j'ai encore besoin de me moucher, c'est horrible. Ah voilà, on a fini Greenwich en scan. En plus, on est à 200 mètres. Un témoin signale une vente de stupéfiants en cours.
Rendez-vous dans Chelsea au plus vite. Allez hop. Je vais me muter parce qu'on va voir que va être probablement cinématique. Oula, du coup, ouais, c'est bon. Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Hey, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker! Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne! Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Quel fils de pute. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Ah oh là là, je vais avoir du mal à l'encadrer lui. Attention, doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter... Il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Oh là. Non. Non, j'aime bien travailler chez Otto. Putain, à cause de ce gros. Vraiment avec une personne méchante comme vous savez... Norman Obscorp, qui est vraiment... Enfin, pour ceux qui ne savent pas dans les histoires Harry Potter, Osborne, c'est le une journée inoubliable, gagne XP 250. Bah, attendez, je vais changer de tenue, parce qu'en vrai, la tenue là, je l'aime pas. Je vais prendre... j'ai quoi comme tenue en vrai? J'aimerais trop avoir celle-là. Pas ouf. Alors pour prendre tenue avancée et voilà. Compétences, nous avons un point de compétence disponible. Je prends toujours celle du milieu, hop, contrôle aérien. C'est toujours ça de prix. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Oh, on est passé à côté. Ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir.
Voilà, bon, on y est. On pourrait quand même les trafiquer en vrai. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. La gastation de recherche, quoi. J'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur. Des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. Mais c'est vrai, parce que... C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Obtenez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche à payer. Hein, etc. Du coup, il y en a une ici. Une là. Ok, du coup, en fait, il y en a deux. Du coup, moi, je suis là, à peu près. D'accord, voilà. Hop, triangle. Toile dans le bureau. Encore une station qui surveille la quantité de l'air et détecte des substances toxiques aux alentours, super important pour la ville et ses citoyens. Mais certains gros bonnets ne se sont pas hyper enthousiastes à l'idée de pratiquer leur polluant. D'accord, du coup, en fait, là, c'est du casse-tête. Ça doit être ça. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Du coup, ouais, on voit il y a des mini points de toxiques. Et du coup, on voit où ça peut être. Du coup, il y en a en plein face. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Ah, ok, il nous en reste 7. Je sais pas comment le passer en vrai ça. Ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Ah, putain, c'est compliqué ça. Mordu de vitesse. En vrai, je gagne des points pour des badges. Ce que je récupère. Enfin, hop, on a la moitié. Les toxines.
En vrai, ça, j'ai plutôt aussi faire ça en off, parce qu'en vrai, c'est un peu chiant et... Ouh, tiens, moi, on a une cop... Hop, on a ça aussi. Ah non, moi, bah, c'est pas un bon truc. Ouais, tu veux que j'aille où? C'est bon. Ou l'autre. En face. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter et je vais faire le reste en off et je vais vous clip tout ça. Parce qu'en vrai, c'est compliqué ça à faire. Et je trouve ça un peu chiant pour vous de me voir me balader sur des buildings pour faire. Oh, on dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. Un peu d'échappement. Voilà, se prendre de l'autre côté, voilà, se prendre des fois les trucs, il faut se prendre d'un côté en particulier. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Ouais, on y est, on est bientôt à la fin. Et on va s'arrêter. Roi de la voltige, trophée obtenu, niveau supérieur. Un point de compétence acquis, c'est pas mal ça. Comment gagner des niveaux facilement? Voilà. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Ok, on doit prendre ça en photo et après on va s'arrêter là. Pas la lumière sur celle-là. Des gens comme ça, j'ai envie de les tabasser. J'ai comme ça. Après là il faut faire quoi? Ok, du coup là il faut aller au niveau du pot d'échappement.
la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. On pourrait peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Nice, c'est bon ça. La station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Le score pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Ouh. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, n'hésitez pas. Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a eu de mauvaises ondes? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risques. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Bon, et bah c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parrains? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail a trop d'importance. Merci MJ. À la prochaine. Donc je disais, avant que je me fasse un joint de 4 couples la parole, que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche car c'est très important. Et surtout mettre un bon pouce bleu, ça j'ai déjà dit, bon par exemple. Et allez voir la chaîne de Crad car elle fait du très très lourd. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.